Salut à tous! Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un tutoriel maquillage. Je tiens à préciser que je suis débutante, j'ai conscience de ne pas faire toutes les étapes comme il faut et de sauter des étapes. Ce maquillage n'est absolument pas dédié à des gens qui maîtrisent le maquillage, il est dédié à des gens qui sont comme moi, débutants, et qui voudraient faire quelque chose avec quelques bases. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à bientôt! On a tous des matins où quand on se regarde dans la glace, c'est... Pour tous ces matins, voici un petit tutoriel. Je commence par retirer mes lunettes et je vais venir dégager mon visage avec ce bandeau. Je prends ensuite ma bébé crème Peau Parfaite de chez Yves Rocher en teinte light que je vais venir appliquer sur mon visage. Je prends mon correcteur de chez Kiko en teinte 1 et je l'applique sur mes cernes. Je viens brosser mes sourcils et avec ce crayon à sourcils couleur nature de chez Yves Rocher en teinte châtain, je vais venir remplir mes sourcils. Je prends mon recourbe-cils et je vais recourber mes cils. Je prends ensuite mon color tattoo en teinte en Enant Bronze et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je viens effacer mes erreurs. Je prends mon crayon noir de chez Yves Rocher et je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Je viens ensuite prendre mon mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher et je viens l'appliquer. Je prends ensuite un des blushs de ma palette Yves Rocher et je viens l'appliquer sur mes joues. N'oubliez pas de sourire! Je prends un pinceau plus petit et je viens reprendre la même couleur que je vais appliquer sur le bout de mon nez. Je prends ensuite mon Baby Lips Cherry Me et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!